Y'a firage, oh, y'a firage. Yes, c'est le gâtima, gâtima. Prince TV, Prince TV. Bonjour, chers abonnés de Prince TV. Alors, bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et à la longue, c'est bon pour la santé. Alors, comme vous avez pu le constater dans le titre, Serge Beno a embrassé Claire Bailly à Paris. Alors, ce n'est pas un fait anodin parce qu'on se rappelle encore des disputes, des nombreux clashs, des nombreux directs sur les réseaux sociaux entre Claire Bailly et Serge Beno, des nombreuses insultes. Franchement, il y a eu trop de choses qui se sont passées, des directs et tout ça relativement opprimé du Molard et tout ça au camp qui se sont créés relativement opprimé du Molard. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a quelques jours à Paris, les awards du coupé décalé ont été organisés par Linda de l'INSEE. Il y a eu un gala, les grands sapeurs étaient là, tous les membres du coupé décalé. Il y avait Mix, il y avait Kérosène, il y avait Serge Beno, il y avait Claire Bailly. En tout cas, la crème de la crème était là. Bon, Arafat et de Bordeaux, ils n'étaient pas de la partie, trop de choses. Et pendant la cérémonie, Serge Beno, alors déjà, je me dis que cette année-là, parmi les artistes coupé décalé, Beno est l'artiste qui a eu le plus de prix, hein, franchement, parce qu'il remporte seulement. Bon, après, il y a Safarel aussi qui avait eu trop de choses. On passe sur ce point-là. Donc, Serge Beno a été invité sur le podium en même temps que Claire Bailly pour recevoir son prix. Et voilà, les deux étaient sur le podium, mais on sait qu'il y a eu des disputes. Normalement, regardez le cas DJ Moisco et Arafat. Ils se sont insultés sur les réseaux sociaux, mais quand ils se sont croisés, c'était, voilà, on a vu ce que ça donnait. Mais Serge Beno a tenu à prendre le micro, voilà, lors de la cérémonie et à faire des éloges à Claire Bailly. Et il n'a pas manqué de l'embrasser comme pour la féliciter. Voilà, quand je dis embrasser, c'est pas embrasser Jean Gago, mais voilà, parce qu'il sait que beaucoup vont penser à ça, mais non, c'est des embrassades, voilà quoi, Jean un peu bienvenu à tout un truc comme ça. Jean pour la féliciter, voilà. Donc Serge Beno, il s'est mis au-dessus des clashs. Franchement, c'est pas la première fois. Parce qu'on se rappelle que lors de son concert en 2015, il était en clash, sinon en séparation, en froid avec Sandia Chouchou et Annick Choco. Mais Sandia est venue, c'est Annick qui est venue sur le podium et Serge Beno l'a accueilli. Voilà, en tout cas, peut-être certains diront que c'est de l'hypocrisie, mais non, moi je pense qu'il a voulu se mettre au-dessus de tout ça, franchement. C'est à féliciter de la part de Serge Beno, franchement, c'est trop de choses. Donc, il y a eu une embrassade. Bon, ça n'a pas trop pris sur les réseaux sociaux. C'est pas pourquoi l'événement n'a pas été vraiment assez médiatisé sur YouTube, sur Facebook. Mais bon, j'ai tenu à en parler. Et puis voilà quoi. Trop de choses qui se passent. Donc, Serge Beno, DJ Mix. En tout cas, tout le monde était là. Claire Bailly, ils ont eu des prix et tout et tout. Molard, pour sa part, il a été invité. Il a refusé de venir parce qu'il était beaucoup, beaucoup occupé. Voilà, j'ai lu son mail là. Voilà, il y a des documents. Non, il y a trop de choses qui se passent. On est trop en avance. Voilà. Il a refusé de venir parce qu'il était un peu trop occupé dans un mail. Voilà. Et on m'a envoyé tout ça. Donc, il y a trop de choses qui se passent. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, c'est entièrement gratuit. Et bonne journée à chacun de vous. Trop de choses. Prince TV. Yeah.